Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vous fais une petite vidéo pour vous donner des nouvelles sur les formations. Alors déjà, pour ceux qui le demanderaient ou qui y penseraient, la formation sur Lausanne s'est super bien passée. On a passé 15 jours de formation, vraiment génial. Géniaux plutôt, 15 jours. Et comment bon voilà, tout le monde était ravi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis voilà, donc on va dire le format de formation, puisqu'on n'avait pas l'habitude de faire des formations sur une durée aussi longue. Mais je voulais vraiment tester ça pour voir en fait si le format en mettant beaucoup de pratique comme ça, la moitié du temps pratiquement hein, dedans, si ça pouvait coller, c'est pas trop long, que ce soit pour nous, pour les élèves et tout ça. Voilà, et en fait, bah, tout a bien roulé, c'est franchement, voilà, ils ont tous pris plein la tête, ils sont contents. Voilà, j'ai eu des nouvelles un peu encore aujourd'hui, là, hein, surtout. Et puis voilà, donc par contre, bah, c'est cool parce que ça m'a ouvert les yeux. Et en fait, donc, je vais changer, moi, mes formats de formation. Voilà. Alors, sauf exception, parce que, bon, je pourrais toujours le refaire, bien évidemment. Mais sauf exception, je ne ferai plus de formation sur 3 jours. C'est-à-dire que je vais les faire sur une semaine complète pour pouvoir justement inclure cette partie pratique. Parce que vraiment, là, on s'est aperçu que... Alors, moi, en plus, ma partie, hein, sur la formation Lausanne était sur la semaine entière, donc du lundi au vendredi. Bon, plus le lundi, puisque Jean-Marc n'arrivait que le mardi. Enfin, il arrivait le lundi soir, mais il ne commençait la formation, lui, sa partie bookmap que mardi matin. Donc, en fin de compte, moi, j'ai eu toute la semaine, plus le lundi. Donc, et ben, jusqu'au vendredi, j'ai eu le temps de déployer tout mon programme. Ils ont pu travailler de la pratique après chaque module qu'on avait fait le matin. Donc, voilà, je pense que c'était vraiment un bon truc. Comme ça, ils ont pu se familiariser avec les outils beaucoup plus facilement et je pense beaucoup moins perdu. J'attends un peu plus de retour dans les jours qui viennent, hein, mais beaucoup moins perdu en tout cas après une fois qu'ils sont à la maison. Donc, voilà, donc je vais rester sur ce format-là et donc voilà, je vais faire mes formations maintenant sur une semaine, donc sur 5 jours au lieu de 3 jours. Et comme ça, bah voilà, je vais pouvoir inclure la pratique dedans. Je ferai exactement la même chose que j'ai fait à Lausanne. Après, peu importe l'endroit, que ce soit chez moi, vers Toulouse, ou que ce soit sur Paris, ou que ce soit en Suisse, peu importe. Voilà, le format restera le même, parce que voilà, c'est un bon format. Ça m'a ouvert les yeux et je suis bien content de l'avoir fait en fait. Voilà, ça c'était pour un petit peu les nouvelles de la formation, donc qui vient de se dérouler. Alors. En parlant de formation, puisque là, cette petite vidéo va être dédiée à ça, donc si ça ne vous intéresse pas, excusez-moi, bah, j'ai juste coupé la vidéo, et puis voilà, je suis désolé. Mais après, honnêtement, je serai vous, je resterai. Donc, en parlant de formation, puisque du coup, ça m'a plu et que j'ai un peu de demandes encore, j'ai remis une formation en présentiel, toujours au même endroit, à Lausanne, du 20 au 24 juin. Voilà, donc que sur une semaine. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés par ces dates-là, eh ben, qui prennent contact avec moi. Voilà, donc ce sera exactement la même qu'on vient de faire sans Jean-Marc, par contre, hein, je précise. Donc, avec moi et Alain. Avec Alain et moi, pardon. Oups. avec Alain et moi, et sur la semaine entière. Voilà, donc, hein, je pense que d'ici quelques jours, vous allez avoir des petits messages. J'espère, sinon je vais me fâcher, non je rigole, des petits messages dans le livre d'or de ceux qui ont fait la dernière formation. Voilà, s'ils arrivent, s'ils y pensent. Et puis sinon, c'est pas grave, honnêtement. Et puis voilà, donc du 20 au 24 juin, si ça vous intéresse, bah, vous me faites un petit mail ici. Il faudrait que je vous mette la nouvelle d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ça va très bien. Et puis voilà, ou alors pour ceux qui m'ont déjà en contact. Un petit message sur Skype ou Discord, peu importe. Et voilà, donc du 20 au 24 juin, au même endroit, sur Lausanne. Il y a moyen de loger sur place et tout, hein, il faut juste savoir avant. Et puis voilà. Ok? Ensuite, formation chez moi, ici, sur une semaine, du 2 au 6 mai. Donc c'est bientôt, hein, parce qu'on est déjà le 24, donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Alors. Désolé, j'ai pas pu l'avertir avant, puisque en fin de compte, ça s'est décidé cette semaine-là. Voilà, avec surtout quelqu'un qui a des problèmes avec son boulot. Voilà, qui peut pas se libérer forcément comme il peut. Donc du coup, voilà, il n'y avait que cette dispo-là pour lui. Donc voilà, il reste 2 places, hein, il y en a déjà 2 qui viennent.
sur cette période-là, donc du 6 mai. Donc si ça vous intéresse, il reste 2 places sur une semaine. Voilà, pareil, hein, vous m'appelez si vous voulez des renseignements complémentaires. Et puis voilà, hein, vous avez la description. C'est la même pratiquement qu'on a fait sur Lausanne, sauf que ce sera pas le même endroit. Voilà, c'est tout. Vous n'aurez pas les belles montagnes en face. Ok? Voilà donc pour les 2 formations présentielles actuelles pour finir cette année scolaire, hein, on va dire, voilà. Après, on va partir en vacances un peu. Et puis, avec Alain, on en a parlé, et on va faire une formation, parce que franchement, on l'a vu là encore pendant cette formation, la vraie problématique que la plupart des gens peuvent rencontrer quand ils viennent se former, surtout avec nous, c'est les problèmes rencontrés avec Sierra Chart. Et on sait que c'est un vrai problème quand les gens ils connaissent pas, ils maîtrisent pas. Autant c'est une super plateforme parce qu'elle donne vraiment tous les outils qu'on a besoin nativement pour le prix. Honnêtement, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux sur le marché du trading en termes de plateforme, vraiment. Après, voilà, elle n'est pas vraiment user-friendly, on le sait. Et voilà, il faut mettre les mains un peu dans le cambouis, hein, malheureusement, c'est ça. Alors, on a vu, hein, il y a eu beaucoup de doléances avec la plateforme. Donc, ce qui fait que ça nous prend énormément de temps pour aider les gens. Alors, nous, on le fait avec plaisir, hein, il n'y a aucun souci. Surtout Alain. Merci à lui. Mais bon, on a vu que c'est vrai que ça nous prenait énormément de temps. Donc, on a décidé une chose. On va préparer, je vais vous montrer après, on va mettre en place une formation Sierra Chart. Alors, ça va être une formation payante. Et qui ne va pas être donné, je vous le dis de suite, parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Ça va nous prendre énormément de temps. Hein, vous allez voir, je vais vous montrer après l'ébauche qu'on a faite. Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont se rajouter, bien sûr, derrière. Voilà. Donc, on va mettre en place cette formation basée spécialement sur Sierra Chart. Je lance d'ailleurs, à partir de maintenant, dès que vous aurez vu la vidéo. Des précommandes. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir. On va les faire. Elles sortiront, bien évidemment, pas à la rentrée, hein, bien avant. Donc, normalement, elles devraient être, en tout cas, une bonne partie devrait être faite avant les vacances, donc avant juillet, hein, donc entre mai et juin. Voilà, dans ces 2 mois-là, les vidéos vont arriver au fur et à mesure. Je lance donc des précommandes. Si vous êtes intéressé par la formation Sierra Chart, c'est une formation. Qui, une fois que les vidéos vont sortir, sera à 400 €. Alors, je vais pas m'amuser à faire le chipoteur et vous la mettre à 399 ou 397 € parce que ça passe mieux, c'est moins de 400. Ok, voilà, je pense qu'on sait tous comment ça se passe. Donc, ce sera 400 balles, point barre. En précommande, vous l'avez ici. Donc, il n'y a rien dedans encore, hein, mais vous pouvez le voir ici. Donc, vous l'avez promo précommande. Elle sera à 300. Le temps qu'on commence à sortir des vidéos. À partir du moment où on commencera à sortir des vidéos, vous aurez plus la promo précommande. Elle va passer à 400 pour tout le monde. Okay? Donc, s'il y en a qui sont intéressés dès maintenant, après ce que je vais vous montrer, bien évidemment, hein, faut que ça vous convienne, hein, et ben, vous pouvez dès à présent la précommander. Vous aurez accès à votre espace de formation sur le site, comme le mien, là, je vais vous montrer. Et au fur et à mesure que les vidéos vont arriver, et ben je ferai une petite info, une lettre, une newsletter ou un truc comme ça pour montrer tout ça. Donc, quand vous allez dans les formations, hop, ça c'est les miennes. Voilà. Donc, Sierra Chart ici. Et voilà l'ébauche qu'on a faite ici. Donc, chaque couleur représente une vidéo. Différentes, complètes. Donc comme ça, vous aurez moins à chercher. Et à l'intérieur de chaque couleur, vous aurez un horodatage qui va être fait avec les sous-domaines, on va dire, hein, les sous-dossiers qui vont proposer. Donc par exemple, la première que je vais faire, ça va être la base, vraiment la base, entre le téléchargement, l'installation, l'explication des dossiers et la connexion. Donc tout ce qui concerne l'installation de Sierra Chart, la connexion de Sierra Chart, tout ce que vous pouvez faire avec la connexion, tout ce que vous pouvez connecter à cette plateforme.
Ensuite, je vous expliquerai les packages. Alors, ça sera pendant la création du compte, okay, qui est ici. Vous aurez donc les packages de Sierra. Je vous expliquerai ce qu'il faut, ce qu'il faut pas. En tout cas, à quoi ils servent. On verra les flux de Dali et Obi, okay, et on verra votre account panel, donc votre panel le panel de votre compte en fait. Vous avez toutes les infos et où est-ce qu'il faut aller. Que ce soit pour payer, pour recharger, pour modifier, upgrader ou peu importe. Voilà. Donc ça va faire partie d'une vidéo qui va déjà être assez longue, je vous le dis. OK? Et elle sera redatée en fonction des petits sous-dossiers ou hein, des petits domaines, des petits sous-domaines en fait qu'on va mettre en place. OK? Ensuite, vous allez avoir une vidéo sur les onglets. Donc tout le menu en fait qui est en haut de Sierra Chart où chaque onglet va être expliqué. Avec tout ce que vous y trouvez dedans, tout ce que vous pouvez faire dans ces onglets-là. Okay? Donc c'est pareil, ça sera bien horodaté. Comme ça, si jamais vous avez besoin de retrouver quelque chose, tiens, par exemple, merde, comment je fais pour. J'ai oublié, je sais plus recharger mes data, par exemple. Bah là, boum, ah ouais, c'est edit, ok, et là, boum, je recharge le data, boum, ah c'est là, ok, je vais à telle minute, je regarde comment on fait, et comme ça vous prend. Le gain de temps va être plutôt conséquent. Ensuite, vidéo sur la création des graphiques et de chartbook, évidemment. Et là, il y aura deux parties. Il y aura la partie donc comment dupliquer, sauvegarder. Alors une fois qu'on aura créé, évidemment, hein, comment dupliquer, sauvegarder les chartbooks, comment changer les symboles, et ainsi de suite. Tiens, d'ailleurs, ça, je le rajoute. Tiens. Voilà. Et ensuite, on verra les fichiers. Donc les fichiers CID, c'est des fichiers Sierra qui correspondent à vos graphiques. Ok, à quoi ils servent? Est-ce que vous pouvez en faire éventuellement? Ok, donc ça, on verra tout ça. Ensuite, on verra les studies. Hein, grosse partie sur les studies. Donc les studies, les Ad Custom Studies et les comment créer des studies collection et tout. Okay? Donc ça c'est pour la partie, on va tout ce qui est partie, on va dire structure de Sierra un petit peu. Et on finira avec la contrôle barre. Donc avec les paramètres de la contrôle barre, on va créer plusieurs. Enfin, je vous montrerai comment créer plusieurs contrôle barres. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Okay, de pratique surtout. Et après, vous pourrez faire votre choix. En tout cas, vous saurez exactement comment on fait et ce sera beaucoup plus pratique. Ça. On va dire que c'est toute la structure de Sierra, la partie droite qui est ici. Voilà, toute la structure. Bon, moi, j'appelle ça comme ça. Et à gauche, eh ben, il y aura tout ce qui est alors une vidéo sur le market profile, le volume profile, le footprint, les spreadsheets, les alertes, le DOM. Okay? Et donc, je vous laisserai dire un petit peu tout ce qu'il y a. Et tout va être détaillé paramètre par paramètre, tout ce que vous pouvez faire avec. Okay. Alors par exemple là je ne l'ai pas marqué, d'ailleurs il va falloir que je pense à le marquer. Par exemple ici sur le market profile, eh bien on sait qu'on peut avoir les comment tout ce qui va sur les bougies. Donc les TPO value array align, évidemment, sur quoi on peut le mettre. Donc, hein, par exemple, et sur quoi on ne peut pas le mettre aussi. Hein, donc ça en fait partie. Voilà, pareil pour le volume profile, le footprint, vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le footprint, tout ce qu'on peut faire comme configuration avec le footprint. Et ben, j'espère qu'il y en aura une qui correspondra à vos besoins. En tout cas, vous saurez voilà, exactement ce que vous pouvez faire et comment faut les faire. On mettra après on fera aussi une vidéo sur les alertes. Hein, parce que les alertes, c'est quand même nécessaire. Alerte sonore, alerte pop-up, vous allez voir, on peut faire tout un peu tout ce qu'on veut. Mettre une alerte sur une study, sur une IA, okay, les gérer éventuellement aussi. Et dans les alertes aussi, alors je ne l'ai pas marqué là, mais je le mettrai un petit rajout ici. Sur tout ce qui est alerte de. Alors, quand je dis alerte, c'est pas être alerté, c'est dans l'onglet alerte plutôt. Des paramètres, hein, des settings de l'application avec un petit codage qu'on peut faire pour faire apparaître telle ou telle chose. Donc ça, plutôt Alain qui se mettra certainement dessus. Et après, on fera une vidéo donc sur le DOM, sur le carnet d'ordre, avec tout ce qu'on peut faire dessus. Okay? La configuration des colonnes, les ordres, la customisation, la sauvegarde, les stratégies qu'on peut mettre en tout ce qui est possible à faire sur Sierra Chart. Comme ça, bah, vous aurez le choix d'appliquer ce qui vous correspond en fonction de votre façon de faire. Donc voilà un petit peu. Si vous avez d'autres choses que vous pensez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans la vidéo, surtout. Parce que on peut oublier, là on a fait des grandes lignes, mais on peut oublier des choses et des choses qui vont se rajouter, donc qui peuvent vous servir. Alors si c'est des choses qui rentrent déjà dans ce qu'il y a là, c'est pas la peine de le mettre. Mais si par contre quelque chose qu'on aurait oublié, pourquoi pas, à ce moment-là, oui, évidemment, à offert.
Okay? Donc là, par exemple, c'est pareil, là, sur la création des graphiques, il faut que je le marque d'ailleurs, il faut que je marque comment détacher, rattacher, voilà, réorganiser les fenêtres et tout ça. Ça fait partie de ça. Donc il faudra que je le marque. Vous voyez, en lisant, du coup, je me rappelle des choses, donc je le rajouterai. Donc voilà, ça va se rajouter. Donc vous allez avoir tout ça. Au minimum, vous allez avoir, donc, 6 et 5, 11 vidéos, déjà, minimum. Il y aura certainement plus, chacun avec donc un domaine bien précis. Et puis voilà, et elles vont se rajouter au fur et à mesure qu'on les fera. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira et que ça vous servira. Si ça vous sert pas, c'est pas très grave. Et petite précision, cette formation sera offerte gratuitement à tous ceux qui viendront prendre des formations en présentiel. Voilà, à partir de maintenant, et aussi à ceux qui ont fait des formations présentielles depuis moins d'un an. Parce qu'après, au-dessus, honnêtement, ils n'ont pas trop besoin. Parce que ceux qui sont encore dans le trading et qui sont à nos côtés, on va dire, bah, ils maîtrisent déjà Sierra, donc ils n'ont pas forcément besoin de cette formation-là. Mais par contre, voilà, ceux qui ont fait la formation, qui ont fait les formations, qui vont faire les formations présentielles, cette formation leur sera offerte avant la formation. Donc évidemment, plus tôt ils réservent une session, bah, plus tôt ils auront cette formation-là. Pour pouvoir en bénéficier et travailler ça avant d'arriver, évidemment, hein, c'est le but, voilà, qu'ils soient moins perdus avec la plateforme. Donc voilà les amis, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je réfléchis 2 minutes, mais non. Voilà, donc si vous voulez en profiter, bah, vous cliquez, vous l'aurez à 100 balles de moins. Et puis sinon, bah, c'est pas très grave, hein, vous les aurez si vous en avez besoin, vous les aurez au moment où vous en avez besoin. Et puis voilà. Et si vous faites des formations présentielles, c'est gratos. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis demain matin, normalement, si tout va bien, mais ça devrait aller, je fais mon live sur les points de marché. Donc demain matin vers 8h en gros, je ferai le petit point de marché de la semaine avec différents actifs et puis voilà, on va repartir tranquillement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine de trading pour ceux que je verrai pas, et puis pour les autres, peut-être à demain matin ou à plus tard sur Discord. Ciao, ciao, et puis bah bon trading!